Salut tout le monde, c'est Baptiste, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment on installe une batterie que vous venez de commander, donc installer l'acide, etc. Donc voilà, je vous explique comment on va installer ça. C'est très facile, juste faut faire attention avec l'acide. Faut faire attention quand tu le manipules parce que si tu en renverses partout, tu t'en mets sur ta peau, c'est très mal barré pour toi. Donc c'est très simple, je vous montre ça tout de suite. Alors donc dans un pack batterie voilà que j'ai acheté sur la bécannerie pendant ce confinement. Donc déjà ici vous avez quoi? Vous avez bon voilà un petit papier d'alerte donc ça on s'en fout. La notice, voilà. Ça c'est les vis pour raccorder les câbles de votre scout. Donc ça vous les perdez pas, hein, vous les mettez de côté. Ensuite ici on a notre précieux acide qui va alimenter la batterie. Et ici nous avons la batterie. Donc dans un premier temps vous allez retirer le petite étiquette rouge là en fait. Donc voilà, ça se retire comme ça. Donc à partir de là, hop, on prend ces petits gants qu'on a qui sont tout neufs, hein, voilà, juste pour au cas où on s'en renverse. Vous faites attention, normalement il n'y a pas de souci, hein. Donc là on va ouvrir le petit sachet bon. Donc ça c'est pour refermer la batterie une fois que vous aurez mis l'acide dedans, donc gardez-le. Et ensuite ici vous avez tout simplement l'acide. Donc là faut faire attention, hein. Faire attention quand vous manipulez ça. Donc voilà l'acide. Donc ça en fait tout simplement on va venir l'insérer comme ça dans la batterie. Donc ça va, les petits opercules vont être percés par ce qu'il y a à l'intérieur de la bougie, vous voyez. Voilà. Donc là, à partir de là, votre installation, vous allez tout simplement attendre que l'acide finisse de couler, vous voyez. On va rester dedans. Hop. Donc là, vous voyez, ça avait percé les opercules, bouché les sorties de marteau pour être sûr que c'est bien refermé. Et voilà. Donc là votre batterie est finie, vous n'avez plus qu'à patienter une bonne heure, une heure voire une heure et demie. Là je vous retrouve dans une heure. Donc merci d'avoir regardé ce tuto, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram qui sera dans la description. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Il y a une petite, il y aura une, je pense, une petite surprise qui va arriver d'ici les vacances d'été. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de très bonnes, un très bon confinement. Always something, it's not a fitness test, but it'll always keep me running.